Attrape-rêve est un jeu d'observation et d'estimation qui peut se jouer à partir de 4 ans. Les joueurs doivent chasser les cauchemars en les recouvrant avec leur doudou. La nuit tombe et il est temps d'aller dormir. Oui, mais comment faire avec tous ces cauchemars qui rôdent? Attraper un doudou et attaquer. Dans Attrape-rêve, il faut être le premier à remplir son plateau douillet. Chaque plateau peut accueillir 12 jetons rêves. La zone de jeu est composée de 8 tuiles doudous positionnées en cercle autour de la table. Les doudous représentent des peluches de tailles différentes. Chaque tour, un cauchemar est pioché et placé au centre de la table. En commençant par le premier joueur, chaque joueur choisit l'un des doudous disponibles et le pose sur son plateau douillet. Lorsque tout le monde a choisi, on refait un tour. Cette fois, le but est de recouvrir le cauchemar avec son doudou. Si le doudou ne recouvre pas entièrement le cauchemar, on passe simplement au joueur suivant. Par contre, dès qu'un doudou recouvre le cauchemar, l'affreuse bête disparaît. Le joueur qui a réussi pioche autant de jetons rêves que d'étoiles sur son doudou. Plus le doudou est petit, plus il rapporte de jetons. Le joueur à gauche du premier joueur devient premier joueur et les doudous sont remis en place. Le cauchemar suivant apparaît et c'est parti pour un nouveau tour. Attrape-rêve propose deux variantes. Une variante coopérative à partir de 3 ans et une variante rapidité à partir de 6 ans. Pour jouer à la variante coopérative, les joueurs doivent séparer les cartes cauchemar suivant leur verso. Ils ne jouent qu'avec un paquet. Plus la lune est pleine, plus le jeu est compliqué. Comme dans le jeu normal, un cauchemar est révélé chaque tour. Les joueurs discutent entre eux et ne pointent qu'un seul doudou. S'ils recouvrent le cauchemar, la partie peut continuer avec un nouveau monstre. Par contre, s'ils ne le recouvrent pas, elle est perdue. Pour gagner, il faut tenir 8 tours. La variante nuit agitée se base sur les mêmes règles que le jeu normal, sauf que les joueurs ne choisissent pas leur doudou les uns après les autres, mais en même temps. Premier arrivé, premier servi. La résolution se fait toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour conclure, Attrape-rêve est un jeu d'observation tout mignon. Le matériel est très agréable et le jeu s'adapte bien aux plus petits et aux plus grands. Les enfants peuvent même y jouer tout seuls.